Et plop les gens, de retour dans Failander Kingdom. Voilà, j'ai perdu le nom du jeu tellement je suis obligé de faire des recherches sur leur argot d'anglais en matinée de Moyen-Âge, comme le dit le signe noir. C'est très bien résumé, je trouve. Bref, par contre, les voix, évidemment, dès que ça part en anglais, je peux pas me concentrer sur plein de choses, donc j'essaye, mais c'est compliqué. Votre Majesté, maintenant que tout est décidé, je suggère que nous ouvrions une route de commerce avec le royaume de Chaval. Il paraît évident qu'on ne peut pas se gérer nous-mêmes pour la nourriture, qu'on ne peut pas dépendre de nous-mêmes. Donc pour éviter un prochain embarrassement dans le futur, on a besoin d'une alternative, de moyens alternatifs pour se fournir. Embarras ? Vous voulez que nous fassions du commerce avec ces païens ? Je comprends l'importance du commerce, mais pourquoi pas avec Mithland ? Ils suivent le seul et unique dieu, et il serait bien plus propice pour faire des échanges avec nous. Ah, ils n'auront pas grand chose à échanger, et c'est un petit royaume qui peut à peine se sustenter. Alors, pour nous fournir leur surplus, Cheval, par contre, est un royaume prospère qui un contrat qui verrait nos coffrets exploser. Faire ses coffrets. Et en gros, qui nous ferait devenir immensément riche. Bizarrement, je suis plutôt d'accord avec Aldo hein, pour ce coup-là. Je n'ai jamais entendu parler que Chaval serait d'accord pour faire un arrangement. Ils ont l'air de plutôt avoir ce qu'ils veulent avec l'or et l'argent. Avec le fer, pas l'or. Et j'ai mal compris. Donc par les armées plutôt que par le commerce. Tu nous verrais plutôt mourir de faim à la prochaine bourde ? Ah, j'ai pas dit ça. Juste qu'on devrait faire gaffe avec qui on se mollit. Bourde ? Embarrassement ? Un joli choix de mots, Merrick. Pour l'incendie qui a ravagé nos fermes. Laisse-moi en rajouter un autre. Sabotage. Il y a l'air d'avoir quelques confusions entre les fermiers sur l'origine du feu. Et il a l'air peu probable que plusieurs fermes s'embrasent comme ça en si peu de temps. Et en plus, à des kilomètres, éparpillés à des kilomètres. Probablement parce que il n'y a pas de fermiers qui voudraient confesser leur négligence qui a causé plus de la moitié du royaume à mourir de faim. Si tu penses que c'était délibéré, Cassandra, alors parle avec Ivar, Merrick et Aldo. Je pense que pour le moment, on va laisser les choses comme elles sont. C'est décidé. Et donc, nouvelle carte. Moins extravagante que la précédente. Donc, soit on va avec le housing et c'est... Oh, punaise, en plus, les deux vont super bien ensemble. L'église et les maisons. Donc, le housing, c'est avec Merrick et c'est le royaume qui... c'était quel royaume ? C'est celui qui est riche et prospère, mais qui est plutôt sur le chemin de la guerre.
soit avec celui qui est moins riche, mais on a plus de chances de... Enfin, c'est plus des commerçants, quoi. Shawal, oui, Shawal et Mirith, un truc comme ça. Dans tous les cas, il va nous falloir acheter au moins 2 terrains pour relier notre château aux différents... même 3, hein, 3 terrains. Relier nos châteaux aux différents bastions. Et de toute façon, là, il s'attend à ce qu'on achète les 4 terrains parce que, évidemment, avec 60 dollars, on n'aura pas acheté, on n'aura pas assez pour acheter 3 terrains. Donc, on va devoir en acheter un qu'on vendra. Shawal, Shiwel, je sais plus. Et alors là, on a le choix, soit on fait un tour comme ça avec le chemin, et du coup on vend par exemple cette case-là, soit on fait comme ça, et du coup on vend une de ces cases là-haut. Je pense que ça n'a pas énormément d'importance. Ce qui a peut-être un peu plus d'importance, c'est est-ce que la route on la fait passer à côté de chaque château ou à travers chaque château. À côté, ça veut dire qu'on perd un peu une case, je pense. Donc on va essayer de passer à travers les châteaux. Je dirais bien qu'on part là, ça, ici, et de ce côté, je sais pas. Je sais pas trop. Alors, moi, je serais bien parti avec Mirith, là, vu qu'il y a 2 de nos 3 conseillers qui sont pour. Mais pour ça, il faudrait qu'on garde du coup cette tuile-là pour nous. Parce qu'elle va rapporter beaucoup de points d'église. Voilà. Où on va mettre celle-ci. C'est celle-ci qu'on va devoir vendre, donc on va la mettre là. Oh. J'ai presque envie de dire c'est déjà game over. Tellement d'eau, ça nous rapporte tellement pas de thunes l'eau. Ça c'est plus ou moins obligatoire. Mettre des moulins là. Il va nous falloir quelques maisons et églises et on aura rempli toutes les tuiles largement. Comment on s'organise? Je peux mettre 2 maisons. 2 maisons. Une petite barricade. Et une église au milieu. Si je mets une maison là, ça va me rapporter 2-3 points. Ça va m'enlever 1 point de nourriture normalement. Je pense que c'était rentable. Ouais, c'est ça. Là, on a le détail. Et dans le texte juste avant, c'est pour ça aussi que je pense que c'est mieux de lire le texte avant la partie plutôt que après. Ça sera plus clair pour la VOD. Et du coup, si on choisit plutôt les maisons, on choisit le... Enfin, dans le texte, c'était surligné en violet le texte. Du coup, on choisit celui qui en parlait. C'était le Merek, le conseiller plutôt des habitations. Et sinon, c'est Aldo qui est le clerc, donc à la fois, qui nous donnera ces points-là. Là, je peux peut-être avoir... Est-ce que je peux avoir 2 points? Est-ce qu'il y a un truc, quand on le pose, ça donne 2 points? Là, ça donne 1 point tout seul, 2... Non, 1 point avec une maison, 2 points avec une maison niveau 2. Ça, ça demande des maisons niveau 2. Ça, ça donne qu'un point tout seul. Ça, ça donne 2 points. Ouais. J'avais un peu oublié, mais je peux peut-être gagner 1 point pour vendre cette tuile un peu plus chère. Ouais, t'as raison, une tour. Le signe noir, tu t'en souviens mieux que moi, à la limite.
Ouais. Autrement, j'avais la possibilité de mettre une maison et une maison là. D'ailleurs, la tour peut me faire gagner un point de plus, puisque là, je vends à 99. Est-ce que ça est 16 plus 13 plus 4? Ça fait 20. Ça fait 33 plutôt, tous ces points-là. Là, si je rajoute tout de suite mon bâtiment, ça me permettra de faire que celui-là, il faille 2 points. Enfin, un point de plus au moins. Peut-être un peu plus d'argent. On a dit qu'on essayait plutôt de suivre la foi. Du coup, on va pas mettre une maison là. Enfin, ouais, en soi. Hein. Et on peut mettre une maison, maison. Soit maison, 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 église, quoi. Bon, l'idée, c'est quand même le truc qui nous rapporte le plus de services, ce pack-là. On va mettre une maison, tant pis. Voilà. Du coup, on est passé de 99 à 102. 3 dollars de plus. Je prends. Surtout que ça nous fait passer la dizaine d'au-dessus. Ce qui peut être très pratique. Alors ici. Voilà. Comment... Alors, on peut mettre sur les quatre coins des églises. Sur les quatre coins des églises, je pense qu'on va mettre le chemin qui passe comme ça. On va faire ça tout de suite. Et je pense qu'on... Dans les coins, t'as vraiment envie de mettre des maisons, mais on va voir. Pour le moment, on va mettre le chemin. Le chemin comme ceci. J'aurais peut-être dû le descendre trop tard. Ouais, j'aurais sûrement dû le descendre comme ça. Tant pis, on fera peut-être un deuxième chemin par en bas ou je ne sais quoi. Elle est trop vite. Maintenant. Alors là. Être un peu moins dans l'axe ici, c'est autant dans l'axe l'un que l'autre. J'étais lui là et je vais mettre lui ici. Voilà. Donc là, la thune on l'a, les territoires on l'a, faut voir le nombre de bâtiments. Et ça, de toute façon, je suis toujours en recherche d'optimisation, donc c'est pas en voyant le compteur que je vais me dire ah, je peux améliorer. Ça sera trop tard si je ne peux pas. Donc là, on peut faire ça. Et on a pris nos ressources au maximum pour le moment. On a mis nos ressources au maximum. Donc là, je peux monter et aller là, par exemple. Ici, je peux peut-être descendre, passer là. Descendre 1. Essayer d'avoir le moins de cases un peu mortes. Je pense que ça c'est pas mal comme chemin, quoique. Si. Et je pense que ça détruit une case à 2, mais c'est pas si mal. On peut faire ça par exemple. Tac. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et là, dans l'idée, j'irais bien comme ça, tout droit. Donc ça, c'est plus cool. Les maps sont cool, ouais. C'est un beau casse-tête parce que... Je comprends quand le développeur dit c'est un city builder plus qu'un puzzle. Parce qu'un puzzle, en général, il y a peu de coups et il faut trouver le bon ordre et tout. Alors que là, on est très libre. C'est un peu bizarre pour un puzzle. Donc, et ça ressemble plus justement à un city builder, mais le final, c'est quand même qu'il faut remplir ses quatre objectifs. Et remplir ses quatre objectifs, ben, c'est plus quelque chose qui ressemble à un puzzle qu'à autre chose. On a quand même besoin de beaucoup de services.
Donc on va faire ça. Ici. J'hésite à mettre une autre là. Oui, on va mettre ça là. Là, on a quand même toujours plus de fois que de maisons, ce qui est donc très bon, c'est ce que je veux en tout cas. Et on va mettre des petites clôtures, parce qu'il nous faut de la nourriture. Alors ça, je me suis peut-être un peu enfermé bizarrement ici. De toute façon, là, c'est surtout les matériaux qui vont nous manquer, pour le moment en tout cas. En vrai, je voulais le garder pour plus tard, mais le fer, ça me remplit, mais rajoute les points tout de suite. Du coup, je saurais à quel moment m'arrêter dans la nourriture et le reste, quoi. Là, du coup, je peux descendre ici ou là, si j'ai besoin. Il me reste un de service, donc ça va être bon. On va mettre des barrières ici et là. On a un beau village là avec le cimetière au centre du village, au cœur du village. 4 églises pour l'alimenter, on va dire. Et pas mal de maisons tout autour, tout ça avec des barrières. Je trouve que ça fait presque un beau village RP. Mettre un moulin là, mais bon, un moulin à côté du château, ça devient tout de suite beaucoup moins RP. Tac. De toute façon, là, ça va être surtout des moulins et des... Et c'est quand là qu'on va rajouter. Bien. Tac, ici. Si c'est pas rentable d'emmener la route là-bas, ça m'enlève 3 cases pour que lui fasse 2 de plus. Après, c'est rentable si je le mets comme ça, peut-être. On va faire ça quand même. Les moulins, on voit pas trop la différence quand ils sont à côté de la route ou pas. Eux non plus. Par contre, je viens de voir que les camps, on voit bien la différence. Les maisons, on voit pas normalement. Les églises, pas vraiment non plus. C'est un peu... Selon le bon vouloir du développeur, j'ai envie de dire, mais c'est bon. C'est sympa aussi d'en avoir des différents. On peut dire que les huttes près de la route ont plus de trafic que celles qui sont au fin fond de la savane. Alors que les moulins et les autres bâtiments un peu plus en dur restent plus fixes. Ouais, sinon, par défaut, c'est cool que les skins changent. Que la maison seule n'ait pas le même skin qu'une maison double, c'est cool. Que l'église à côté d'un cimetière n'ait pas le même skin qu'une église seule, c'est très cool aussi. C'est juste, voilà quoi, des fois, on se demande un peu pourquoi celui-ci a le droit à un autre skin et pas l'autre. Ici, on peut mettre des choses comme ceci. Ben voilà, on a un peu tout paqué. On va mettre, c'est plutôt ici le royaume.
Et on va mettre... On a un peu trop tout paquet. On a large de l'avance. On peut rajouter quelques maisons. Enfin, une maison. Là, dans le coin. Et on a la médaille platine, carrément. Au milieu de tes barrières, en bas, je pense que c'est un super endroit pour une tour et terminer tes services. Non. Ici, oui, ça aurait pu aussi. Ça aurait fait 1, 2, je crois que la tour ne le fait pas elle-même, donc ça aurait fait 2 points. Une maison proche d'une route, ça fait aussi 2 points. C'était, de toute façon, il nous manquait qu'un point, je crois, donc... Donc tout allait bien. Moins de texte que la fois d'avant. Oh, succès. Good neighbor. Setup trade route, route with Mithland. Donc voilà, c'est sur ce succès et sur cette victoire. On avait quand même pas mal de cases et une médaille platine. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a la médaille platine. Hop là. Oui, sauvegarde-moi mon succès. Voilà. Médaille platine qui ressemble à de l'or, j'ai envie de dire. Qu'on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous a plu. Et à bientôt pour voir ce qui se passe dans le prochain.